Et juste avant les séries, il y a l'épreuve donc de la boue, Gisèle contre Enora. Alors Denis, vous allez expliquer. L'épreuve de la boue, alors elle est un peu spéciale chez nous. C'est une piscine, hein, donc elles vont devoir s'enduire de boue et mettre le maximum de boue dans un seau, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, si vous ne connaissez pas l'épreuve, n'hésitez pas à me le dire. Ok. Non, alors, je vais vous dire, Cyril, je regardais plutôt les deux participantes. Ah, ouais. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oui, lui, voilà. Il a été happé par les deux participantes. Alors, elles vont ramper, bien sûr, sur le sol. Et imaginez que la boue, c'est Denis Brognard, les filles. Allez-y. En tout cas, pour le prochain Koh-Lanta, je veux des petits shorts en jean comme ça. Ah oui, bah, ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Attention, c'est parti. On y va. Allez, on y va. Allez, on va passer dans la boue. Elles essaient de passer le maximum de boue. Et ensuite il y a Gilles Verdez et Jean-Michel Vert, voilà, ah, bah, voilà. Oh là là, regardez les oh, oh. Non mais oh Gilles... Gilles Verdez, il se fait plaisir. Oh, oh là. Et Gilles Verdez, il se fait plaisir. Il vous reste encore 30 secondes, repartez. Enora, repartez. Eh, rajoutez 30 secondes, rajoutez 30 secondes. On rajoute 30 secondes. On rajoute 30 secondes. Non mais oh Enora. Non 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 non. Gilles, c'est pas ça, ça se fait pas ça. Non, 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 jouez le jeu. Allez, allez, continuez. Ah, il est content, continuez, continuez. Non. Elles vont faire encore 3-4 passages, ça fait du bien ça. Enfin, allez. Allez, on rajoute 30 secondes. On rajoute 30 secondes. Allez-y, repartez, refaites un aller-retour. Allez-y. Eh oh, non mais oh. Hey, non, ça j'aime pas, ça, hey. Jean-Michel Maire, un peu de respect quand même. Mais arrête ta méo, Enora. Jouez le jeu. Et Jean-Michel, respectez Gisèle, s'il vous plaît. Merci. Non, mais c'est bon, l'autre, il lui met des claques dans les fesses. Non. N'importe quoi. Des culantas, là. J'ai l'impression qu'Enora, elle a de la boue même dans l'intérieur, hein. Non, mais c'est vrai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terminé, terminé. Alors, attention. Alors, hey. Alors maintenant, alors, les sauts, s'il vous plaît, les sauts. Attention. Normalement, il y a... Non, mais normalement... Non, normalement, il y a une balance, il y a une balance, s'il vous plaît. Et non, 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 mettez d'abord celle de Gisèle, le saut de Gisèle, s'il vous plaît. Le saut de Gisèle, là-bas. Et la balance, c'est vrai que les moyens ici, c'est pas terrible, hein, la balance. Alors, est-ce que, alors, la balance, je regarde, on est à combien? Il y a... Qu'est-ce qu'il met son pied? Non, mais il met son pied. Le pied, enlevez le pied. Il a son pied. Il y a... Qu'est-ce qu'ils sont cons? Il y a 0,2. C'est une très bonne idée, cette balance, hein, l'équipe de production. Très bonne idée. C'est très bonne idée. Allez-y, enlevez, enlevez, c'est zéro. Et attention, le saut d'Enora. Le saut d'Enora. Enlevez le pied, enlevez tout, s'il vous plaît. Caméra. Ah ouais. Ah oui, c'est mieux, c'est plus 500. C'est l'équipe rouge qui gagne le deuxième point. Ouais. Il sera plus jamais contre le retour de Koh-Lanta après une épreuve comme ça. Ah non, mais là, c'est sûr que lui, il est content maintenant. Ah, il s'est fait plaisir. Ah bah là, il s'est fait bien plaisir. Bon, vous reverrez les images au ralenti sur la fin. Ouais. On était avec Valérie Témoin. Vous regarderez ce qu'a fait Gilles Verdez. J'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous la vérité. Vous regarderez. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, on va regarder. On balance ou pas? Allez, dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit peu de boue qui était par terre. La pâte à crème, là, qui était encore sur le sol. Eh bien, ils sont éliminés. Ils sont éliminés. La victoire pour Jean-Michel Maire. Exactement. On va attendre qu'ils reviennent pour leur dire.